Merci. Bonjour, c'est Patricia qui va faire une courte présentation de la Matréor avant que la conférence démarre. Bonjour tout le monde. Donc, la Matréor est née au Tibet. Vous m'entendez là? Oui. Plus près? Voilà. Donc, la Matréor est née au Tibet, dans la région du Kham, où il a étudié la philosophie bouddhiste. À 20 ans, il a dû fuir le Tibet. Il a rejoint l'Inde à travers le Népal, où il a rencontré un grand maître bouddhiste, Kalu Rinpoche. Avec lui, il a effectué une retraite de 3 ans, 3 mois et 3 jours. À l'issue de cette retraite, il a enseigné en Asie, Taïwan, Singapour. En 2005, il a été nommé directeur spirituel de l'Institut Karmapa à Val-de-Roure. Et il est très investi dans l'association Vivre Ensemble à Cannes, où il représente le culte bouddhiste depuis les débuts de l'association. Voilà. DJ Yonki Choronson do di communique chi chen ke ni mi tsoma la ni ta chi dele ni choronson pe ne pe gason ngaro so ke cha patso chi yat. Donc avant tout, la Matréor dit qu'il tient à remercier les personnes qui ont organisé cet événement. Et puis il tient à vous remercier tous d'être venus, d'être ici pour ce partage. Et donc, il vous adresse tous ces tachidélé en tibétain, qui est un mot un petit peu qui veut dire bonjour, bienvenue, tous les bons souhaits. Tene ngaro son tandan dende ge pensu lo chigi chigi tene ngaro son ge meji insa ane pensu chigi chigi kecha chene dende chene mi pata mi tes to ni buso ya dende so pemesi ge kecha mora esu ngato chigi chigi pato lo kecha sone. Donc pour lui, ce sont des moments de partage extrêmement importants et précieux. Le fait que nous soyons tous ici des êtres humains, donc voilà, de pouvoir partager ensemble nos différents points de vue, nos différentes traditions, cultures, c'est très enrichissant et ça lui tient à cœur de participer à ce genre de partage. Tene nga ro son yon digi ta tiri kecha khen khen yon philosophy do tene tese buddhist do yenba chilu nra mandra. Deso tsoma yon tese mandrava deso nga ro so pemesi ga yapo re tsoma mandrava misam no mandrava la ani tese ndendra wo mandrava shena nga ro so la soso karina kar gage mendo damya ga ye insa ti koka yapo re es. Et selon son expérience et selon sa réflexion, c'est très important finalement qu'il y ait cette diversité, une diversité de choix, de chemins spirituels, religieux. Bien souvent, on veut absolument quelque part entendre que ça revient à la même chose, ou enfin que c'est identique, mais ça l'est pas forcément. C'est-à-dire qu'on va voir que dans les approches, peut-être les méthodes, la manière d'aborder les choses, c'est pas forcément toujours identique en fonction du courant spirituel ou religieux. Et c'est très bien parce que ça permet à chacun en fait de déjà trouver ce qui lui correspond, et puis parfois de venir nourrir aussi par d'autres une autre approche, un éclaircissement qui va venir de l'un ou l'autre, de l'une ou l'autre approche. Tene tandang he ka spa be buddhis ge jeje te tene nong ge sen kare ri shwa kare ri teno marwe nong jeya nong jeya do shwa kare ri ne jeje te re. Donc évidemment maintenant tout ce qu'il va partager ici avec nous, c'est selon le point de vue de la philosophie bouddhique. Et donc en fonction du thème commun, donc pouvoir se relier intérieurement, cette unité intérieure, ou la paix, l'esprit, etc.
Ta buddhiste ge buddha shaja mini ge kare la gresa na. Dani da gengge yin asen. Ta buddha shaja mini ge kare song anesa na. Ngaron song ge ngge te ngaron song la ye res. Ngaron song ge tene dran rabo zoya te ngaron song la ye res. Dra. Ngaron song. Tso te ngaron song ngge te ngaron song la ye res. Tene yin na yo ngaron song ge te ngge te ha ma ko ne. Marosu matsega janda wo pegyo na mi jembe da dupo zon kenda wo te ti ngaronson no ye res ti no yi ngaronson ge gebe hyeni no yi gegen positive thinking te yo ngaronson no ye res. Donc le Bouddha Shakyamuni, donc il y a de plus de 1600 ans maintenant, enseignait déjà sur un principe vraiment de nous mettre face à notre propre responsabilité individuelle. Et donc, il répétait sans cesse à ses disciples, vous êtes responsable de vous-même, vous êtes responsable de votre évolution. Et c'est, en quelque sorte, toutes les cartes sont entre vos mains. Si vous voulez faire de votre vie une suite de rencontres avec des ennemis, ou si vous voulez faire de votre vie des rencontres riches, nobles, en lien avec des amis spirituels, des maîtres spirituels. Tout ça, finalement, c'est votre responsabilité, ce sont vos choix. Ngaronso dewa kare zogdo, ngaronso dunga kare zogdo. Te tsoma ngaronso ki konhon le pa yu yendo, jujin yendo draba chene tsoma yongde vire esereta. Et qu'est-ce qu'on souligne ou qu'est-ce que la philosophie bouddhiste entend par être responsable? Eh bien, c'est qu'en fait, nous sommes, en quelque sorte, nous devons faire un choix. Et nous, par nos choix, par nos motivations, par nos impulsions, on met en œuvre tout un enchaînement qu'on peut appeler interdépendance ou cette loi de causalité, cause et condition, issue de nos motivations, de nos impulsions, qui vont générer des fruits qui seront forcément analogues à la nature de nos impulsions ou de nos motivations et qui vont colorer notre vie en ce qu'on peut qualifier de bonheur ou d'insatisfaction. Tende insa Bouddha Shakya Muni ge nye choron son la nyamnyo do Bouddha Shakya Muni koron ge mi sen tomo ma yin ba sharap ki nye choron son ge tende ge ngaron so kare yin ba te chilu ye do me choma chi ba re ngaron son la mi choma la te nge te ngaron so la sen zi la ye insa. Et le Bouddha Shakyamuni ne cessait de répéter encore une fois à ses disciples qu'il fallait que chacun d'entre nous sachions développer, utiliser cette capacité que nous avons à nous relier avec une forme de connaissance supérieure ou de discernement très aiguisé, parfait. Et de ne pas, que lui, il partage son expérience, qu'on ait un autre chemin religieux, spirituel ou pas, finalement, peu importe, que l'idée, c'est de réfléchir, c'est-à-dire de ne pas simplement prendre ce qu'il dit pour, comme une vérité absolue, mais au contraire, de remettre en question, d'y réfléchir, d'avoir une forme d'introspection et d'arriver à une compréhension vraiment intérieure par nous-mêmes, par notre chemin intérieur, par cette forme de sagesse discriminante. Tende insa bouddhiste philosophique Bouddha Shakyamuni choron songi toshe tonne zo te langa te nga zo ge sherab ge tole tab do sherab ni le zo sherab ge tole ro go re se ne tende song yo re. Et c'est pourquoi souvent quand on parle de l'enseignement du Bouddha Shakyamuni, on peut résumer le chemin du dharma ou le chemin de la voie du Bouddha à deux choses.
On parle souvent donc des moyens, des méthodes, des moyens habiles ou des méthodes, d'une part, et puis de cette sagesse discriminante ou connaissance supérieure, d'autre part. Et ces deux choses sont complètement ne peuvent pas être séparées. C'est-à-dire, quand on avance sur ce chemin du Dharma, il y a ces deux dimensions que l'on met en œuvre, que l'on doit utiliser. Et cette notion de shérab en tibétain, cette connaissance supérieure, ce discernement parfait, c'est extrêmement important et on doit utiliser le raisonnement, la réflexion. Donc finalement, au final, ce qui est important, c'est de suivre le chemin qui correspond ou qui est en accord avec sa réflexion, ses compréhensions, son discernement. Le chemin bouddhiste est encore une fois extrêmement marqué par la réflexion, le raisonnement. Et c'est un raisonnement assez logique, presque scientifique. Et c'est pourquoi il y a même encore à l'heure actuelle beaucoup d'échanges entre des penseurs ou des maîtres bouddhistes et puis des scientifiques. Parce qu'il y a une recherche, en fait, une réflexion sur ce qui est véritablement, qui est vraiment mise en avant. On peut parler de dévotion, de foi, de confiance, qui peut-être aussi va être mise en avant sur un chemin spirituel ou religieux, mais qui, d'une certaine manière, n'est pas, qui n'apparaît pas comme ça sur commande. C'est-à-dire qu'en général, si on éprouve de la dévotion, de la foi pour un certain chemin spirituel à l'égard d'un dieu ou autre, c'est que ça fait sens, d'une certaine manière, et donc ici, ça se rejoint, c'est-à-dire qu'il y a toujours voilà, ce lien avec quelque chose qui fait sens, auquel on a réfléchi et qui aboutit pour nous à cette certitude de suivre tel ou tel un cheminement. Donc, quand on parle ici de dévotion, de foi, de confiance, on parle vraiment d'une dévotion authentique et de foi authentique, non pas issue d'une tradition, parce que voilà, on suit traditionnellement telle ou telle voie. Et pour nous, ben, d'une certaine manière, on va utiliser le mot foi, dévotion, mais ça ne va pas résonner véritablement comme quelque chose de ancré profondément en nous. Ici, quand la Matréor parle de foi, de dévotion, de confiance, c'est voilà, quelque chose de profond, issu de certitude, de compréhension et d'inspiration. Et puis, on peut avoir une personne complètement qui n'éprouve pas forcément la nécessité de suivre un chemin spirituel en particulier. Et pour lui, ce qui est important dans sa vie, c'est peut-être d'étudier et d'avoir des valeurs et de réfléchir au sens du bonheur et mener sa vie en accord avec ce qui représente pour lui le sens du bonheur. Donc on voit que peu importe en fait nos cheminements,
il y a toujours une notion de liberté, de choix et de comment dire, voilà, de se poser des questions, de réfléchir et de responsabilité individuelle. Ta ten jabo ga ron so ga ngen khunkhe de ngen khunkhe de ta nombe ga kar ye ba zo gre sa na zupori sen re la na te nga tu ta tri je gi te ngi sa zupori do sen re sa na ta da zupo sen ni pe ye me dre de re te yin na yo zo zupo ga ni pa mare sen se ya ye re sa. Donc qui est responsable si on considère maintenant notre personne dans son ensemble, qui fait des choix, détermine des choix. Est-ce que c'est notre corps matériel, physique? Est-ce que c'est notre esprit, notre continuum de conscience? Évidemment, ici, on part plus dans le sujet, dit Lama Tréor, de pouvoir se relier donc à son être intérieur ou sa dimension intérieure, et selon la vue bouddhique. Dans le bouddhisme, on parle voilà, du corps matériel, mais qui n'est pas en quelque sorte ce qui nous définit en profondeur, ce qui nous permet d'appréhender, de discerner, de faire expérience profondément, c'est notre esprit ou notre continuum de conscience. Rapport tole ngano so mi mambo jiga ombo gonga lupo tsowa ga de tu tole sen de tu te zoya te ngupo res tombo ye tombo rapport tole. Donc à un niveau grossier, évidemment le corps, l'esprit sont interdépendants. Donc à un niveau très grossier, on pourrait déterminer notre degré de bonheur ou d'insatisfaction aux expériences issues des sens en lien avec les objets de connaissance extérieure. Donc, on a différents sens qui vont entrer en contact avec des objets de connaissance extérieure qui vont nous permettre d'appréhender une expérience, une sensation. Et à un niveau très grossier, on peut dire, oui, bonheur, insatisfaction, on pourrait avoir cette lecture et penser que eh bien, ça tourne autour en fait, des expériences sensorielles. Kakala sen rapate tendawo yere te sen chabote sen chara mombo sen la zoku yere sen nomba sen chabote kakala zupo ombo gonga do manje ba kron tomo mai ba ga nga to ge ti nam to mra manja ga de du mra manja mombo nyong yere. Après, pour essayer de comprendre un peu plus profondément cette dimension de conscience, de continuum de conscience ou d'esprit, l'idée, c'est de voir qu'on peut en faire expérience à différents degrés, différents niveaux, grossiers ou plus ou moins subtils ou plus ou moins profonds. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de voir comment on peut se relier à cette dimension plus profonde et intérieure et de voir qu'au-delà, justement, d'appréhender des expériences sensorielles, sans que c'est à voir avec des expériences sensorielles, à certains moments, on a sûrement eu toutes ces expériences déjà, plus profondément en nous, en lien avec nos concepts, nos pensées, nos idées. On va aussi expérimenter. Donc ici, dans notre heure, il facilite un peu en deux grands sujets complètement opposés, donc bonheur, joie et insatisfaction ou souffrance. Donc à chaque fois, il catégorise comme ça. C'est une manière un peu de donner tout le panel de ce dont on peut faire expérience. Mais voilà, on peut voir qu'au niveau même de notre continuum de conscience, à un niveau plus profond, on peut faire des expériences qui nous amènent à expérimenter de la joie ou de la souffrance, mais qui n'ont rien à voir avec les expériences sensorielles. Ombo gonga la soba go yug tole ngaron son on tombore dire. Hina yon tsawe ngaron son tsoma nyam yon le tada sen non la dewa on tombore do mare la na. Tende romandua. Un exemple très logique en fait qui souligne d'autant plus cela, c'est d'observer les êtres humains en Europe ou
de façon plus large en Occident, ou dans les pays, on pourrait dire maintenant dans les pays très riches et développés, où d'une certaine manière, notre mode de vie fait que on a un niveau de satisfaction des cinq sens maximal, enfin, où on ne voit pas comment on pourrait nourrir encore plus la satisfaction de nos sens. Nos conditions de vie sont excellentes, matérielles, etc. Maintenant, si on regarde l'état de notre santé intérieure, le matrior, ça le fait rire, parce qu'il dit que c'est peut-être pas... le curseur, il n'est peut-être pas au même endroit. Ah, premier signe, non. Et ça, c'est un exemple très concret. Donc, évidemment, prouver l'existence du continuum de conscience ou de l'esprit, c'est compliqué de le faire tel qu'on l'entendrait par la science. Montrer quelque chose visuellement, démontrer la présence de quelque chose visuellement, mais par contre, on peut le faire par l'inférence. Et là, au travers de cet exemple, c'est très parlant. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, ça prouve bien que nous ne sommes pas que matière. Autrement, nous serions les êtres humains les plus heureux de ce monde, forcément. Ni pas le yon Saint-Hypogtolé. Saint-Hypogtolé, yon tanda rapa don chabo la bukala. Rapa te ngaron songi tanda te lebe ge tsa do zupo ge njoban royan de sono la. Tene tison ge ta tseripa la memba reje la bire ngaron songi tsele nyong do. She don chabo lona te se zupo reje ma dewa chao she toya naya la sopa. Tene te do pe ngo naya la sopa. Te ngaron songi saint rapa ge tene leba don de so tsama ngusu nombe yon te la bire. Donc, bien sûr que même certains scientifiques, aujourd'hui, bien qu'il y ait des courants scientifiques où la notion de conscience, continuum de conscience délocalisée hein, du cerveau ou du corps commence à émerger, beaucoup encore soutiennent l'idée que la conscience, finalement, elle est issue du cerveau, tout simplement. Et bien sûr que le cerveau, dans le bouddhisme, c'est considéré comme un lieu vraiment très très important hein, qui permet justement à cette interdépendance entre un continuum de conscience et un corps matériel de pouvoir fonctionner, etc. Bien sûr, on va pouvoir avoir une lecture de tout un tas de choses sur la personne en observant, par exemple, les mouvements au niveau cérébral, comme il y a pu avoir certaines expériences hein, scientifiques en observant en mettant différentes, comment on appelle ça, des capteurs voilà, au niveau des différentes zones cérébrales et observer les mouvements. Mais ça reste très, très, très grossier comme observation. On va pouvoir dire, oui, là, c'est la zone de la compassion, de la bienveillance, ça, c'est la zone plutôt des afflictions mentales, telles que la colère ou autre. Ça, c'est la zone de la connaissance, de l'apprentissage. Mais ça reste très grossier, c'est-à-dire que profondément, savoir ce que vit quelqu'un en profondeur, intérieurement, quel est son degré de... Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle souffre? À quel degré elle souffre? Comment elle vit sa souffrance? Ou la connaissance? Vraiment, il y a des personnes qui ont acquis des connaissances vraiment très, très vastes. Et qui vont pouvoir utiliser toutes ces connaissances à des moments bien précis. Tout ça, on ne peut pas le mesurer et l'identifier précisément. Quand on garde chez nous que devant nous,
Et de la même manière, on ne peut pas avoir une lecture sur la motivation. Par exemple, peut-être un scientifique pourrait dire bah, cette personne, elle, en règle générale, ça a l'air d'être, de ce que je lis ici, la lecture des différents mouvements au niveau cérébral, j'ai l'impression que ce serait plutôt une personne malheureuse, dépressive. Cette personne a l'air plutôt heureuse, joyeuse, dans quelque chose d'altruiste, etc. Mais le scientifique en question ne va pas pouvoir déterminer quelles motivations ont amené cette personne, pourquoi cette personne elle est devenue, par exemple, dans un état un peu dépressif ou anxieuse ou triste. Qu'est-ce qu'elle a maintenu comme motivation tout au long de sa vie, dans sa manière de voir les choses, etc., qui ont mené à ça. Et puis pour l'autre, pareil. C'est-à-dire que le scientifique, il ne va pas pouvoir vraiment avoir une lecture précise de ses intentions, de ses motivations. Donc, ce sont des choses qui ne peuvent être lues parfaitement ou expérimentées de la même manière qu'on l'expérimente nous-mêmes par quelqu'un d'extérieur, mais nous, en tout cas, on peut en faire expérience et nous, on peut y voir clair et on peut avoir cette introspection qui nous amène à comprendre énormément de choses sur nous-mêmes en se reliant justement à une dimension un peu plus profonde. C'est vrai, non. Vous êtes d'accord ou pas ? Donc, par exemple, on peut dire à un moment donné, j'éprouve beaucoup de joie intérieure ou de bonheur, de satisfaction de bonheur. Ou peut-être à un autre moment, j'éprouve énormément de culpabilité, de souffrance, d'insatisfaction. Mais en attendant, je continue ma vie, etc. Je fais ce que j'ai à faire, je peux continuer à réfléchir. Mais je vis les choses avec un ressenti, parce qu'il y a un regard, parce qu'il y a une motivation, il y a une manière de réfléchir ou de raisonner à l'intérieur qui maintient tel ou tel état. Et ça, nous sommes les seuls à en faire l'expérience telle que nous la faisons, et nous sommes les seuls à pouvoir lire clairement ces expériences et essayer de comprendre, dénouer mais qu'est-ce qui mène à ces expériences. Donc, de la perspective de la philosophie bouddhique et même en règle générale du chemin bouddhiste, là encore, ce genre d'observation de soi, d'introspection, ça reste très superficiel. Ça reste un niveau grossier de la dimension de la conscience ou de l'esprit. Et avoir cette introspection sur nos états. Ta ten jabayon bouddhisega, senjungache tachisene, mandava mandava dense positi nikete, nikete positi nika mempa tonyon la sopa tende. Donc on parle, et dans la philosophie, c'est expliqué de manière très 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 détaillée, c'est-à-dire on parle des 51 facteurs mentaux qui sont une manière de résumer un petit peu justement toutes les directions que les concepts peuvent prendre et donc nous amener à faire expérience de tel ou tel état intérieurement. Donc, il y a certains facteurs mentaux qui vont être considérés comme omniprésents, positifs, négatifs, etc. Donc, c'est tout bien listé. Il y a des catégories. Et voilà, c'est une manière de recenser un petit peu tous ces états intérieurs dont on peut faire expérience. Donc pourquoi le matrayeur disait que ça restait tout de même grossier ? Parce que c'est une dimension grossière de l'esprit, c'est-à-dire un petit peu comme si on a là ces lumières ici,
Aujourd'hui, la couleur de l'ampoule est blanche. Donc, le faisceau de lumière qui nous éclaire est clair et blanc. Mais on aurait pu très bien se dire qu'on allait mettre une vitre ou une ampoule de rouge, bleu, vert, jaune, peu importe. Donc, ça changerait l'expérience de la pièce, l'ambiance de la pièce, notre perception des choses. Mais au-delà de la couleur de l'ampoule ou du vert sur la lampe, ce qui compte, c'est cette faculté à émettre les électrons lumineux de lumière. Et donc voilà, les 51 facteurs mentaux, c'est un petit peu la couleur en fait, que prennent les choses, mais ça reste très grossier. On ne parle pas encore à ce degré-là d'une dimension profonde de notre continuum d'esprit. Donc vous avez bien compris, c'est qu'un exemple, évidemment. L'exemple de la lumière, de la lampe, c'est qu'un exemple. Mais voilà, c'est assez parlant parce que en soi, les électrons qui permettent à l'électricité, à la lumière finalement de nous éclairer, en soi, ils n'ont pas de couleur. Après, c'est nous, plus grossièrement, qui décidons comment on veut que cette lumière nous éclaire, nous arrive. Et si on est vigilant, donc quand même pour essayer de comprendre ce continuum d'esprit, cet esprit, ce continuum de conscience qui fait expérience et qui est une base en fait unique, c'est-à-dire on n'est pas multiple en nous-mêmes. On est doté d'un continuum de conscience qui appréhende et qui fait expérience instant après instant. C'est-à-dire que souvent, quand on donne une définition du continuum de conscience, on dit c'est un continuum de conscience clair et connaissant qui fait expérience instant après instant, même si les instants peuvent être très très rapides. Mais en cela, on ne peut pas faire expérience de deux choses au même instant simultanément. Par exemple, si on est dans une rage, une colère vive, on ne peut pas exactement au même instant expérimenter la compassion, la bienveillance. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que ça peut se succéder rapidement, mais si on est vigilant et qu'on observe bien, un petit peu il faut comme changer la couleur de l'ampoule, ça reste toujours à la source, la même source de lumière, mais les couleurs, elles vont se succéder, puis c'est un petit peu pareil pour nous, parce qu'il n'y a qu'une seule base, qu'un seul continuum qui fait des expériences diverses. Donc pareil, si on éprouve une jalousie terrible, on peut pas au même instant ressentir de la bienveillance ou de la joie. Donc on peut observer que effectivement il y a un continuum qui a des expériences différentes. Et donc c'est là où on arrive au cœur du sujet. Il espère que ça va pas trop compliqué, mais il est obligé d'en parler puisque c'est le cœur de la philosophie bouddhiste aussi, hein, et qui fait sens dans toute cette démarche du dharma. Eh bien, c'est de comprendre qu'au final, pour cette raison, pour tout ce qu'il vient d'expliquer,
tous les états auxquels on s'accroche et auxquels on se définit et qui génèrent pour nous de l'insatisfaction, etc. Donc tous les états tels que la colère, la jalousie, ou à l'opposé des états plus nobles tels que la bienveillance, l'amour, la compassion, ces états en tant que tels n'ont pas d'existence intrinsèque. Ils sont vacuité parce que, voilà, comme il expliquait tout à l'heure, parce que c'est une surface, une couleur, en fait, d'une expérience, mais qui n'a pas d'existence intrinsèque. Autrement, on serait dans un état éternel. Il n'y aurait pas l'espace pour cette transformation. Oui. Kamachu, yeah, vite, hein? Voilà. Pardon. Tindé, il y a un garçon qui est typé, un garçon qui est chambouré là. Il y a un dit, ha, kona, un garçon qui est yadi, quand il y a un autre groupe, il y en a midi, pocha, chédon, chambouréna, quoi, je vous tape tout gré. Donc, ce qu'il vient d'essayer de nous expliquer, c'est vraiment en fait tout le cœur hein, de tous les débats philosophiques, etc., du Dharma. On peut peut-être garder dans notre esprit l'exemple qu'il a donné, qui est un exemple très concret, très simple, et qui peut nous aider dans notre quotidien, dans cette démarche vraiment de vouloir se relier plus à ce qu'on est en profondeur, et d'arriver petit à petit, en fait, à quand on est comme nous tous, hein, parce qu'on est énervé par un tas de choses qui se passent ou des personnes, on est en colère, ça nous gâche la journée, ou on est jaloux, ou ceci ou cela, mais d'arriver petit à petit à expérimenter le fait que ça n'a pas d'existence véritablement cet état, que c'est pas quelque chose, on n'a pas besoin de s'accrocher à ça et d'amener cet état à durer encore et encore et à saboter notre bonheur en fait. Tendez ça bouddhiste ngarong ngen sina songje ge de ha kone o ta nga to choma te zewa ni je de ngarong yo de mi yen yo de wa ngarong yo tene sen shwa yin ba te nga to chome ha ko ge re. Donc c'est là où on a le choix en fait, et on peut discerner encore une fois sur ce qui est noble et qui est source de bonheur et ce qui ne l'est pas. Et l'amour, la bienveillance, la compassion, donc là, il n'a pas le temps de tout expliquer pourquoi c'est valable et pourquoi, finalement, il n'y a pas vraiment d'autre... Si on veut vraiment être heureux dans sa vie, il n'y a pas vraiment d'autre solution que d'être dans cet élan de bienveillance et de compassion. Donc, en comprenant cela, et en comprenant que ce qui sabote notre bonheur, en fait, c'est nos propres états émotionnels négatif, hein, les poisons de l'esprit, donc la haine, l'aversion, la saisie, l'attachement, l'orgueil, la jalousie, l'ignorance, tout ça, on va pouvoir comprendre que parce que ça n'a pas d'existence inhérente, ben, plus on va y voir clair, plus on va avoir cette faculté à voir clair en nous et à comprendre que ça n'a pas d'existence inhérente, et plus on va pouvoir se relier à chaque instant à cette dimension de compassion, de bienveillance. Tendez, il a tant d'indiens, n'a pas son âme, on a dit, j'ai donc travaillé tout à candé, j'ai vu Jabogre. Tenez, j'ai vu Jabogre, c'est un chalot, non, j'ai vu Jaya, il va m'arrêter. Oh, c'est un yamba, j'ai un drap, tenez, non, l'eau, j'ai commis, non, j'ai des caras, j'ai des tis, chalot, yosa, j'ai des tomas, t'es yomare. Il a dit, tant d'indiens, on a dit, d'emba, m'a dit, c'est un hakotana. Donc c'est pas compliqué en fait de changer si on arrive à voir les choses telles qu'elles sont véritablement. C'est-à-dire si on est quelqu'un qui en règle générale est très en colère dans sa vie et qu'on en a marre, en fait on en a assez de cette personne agressive, en colère et que ça se répète encore et encore, et qu'on pourrait se dire oui mais c'est difficile, ça va être compliqué, je suis tellement en colère, la colère c'est quelque chose qui me définit tellement. Ça va être difficile de m'en libérer. Mais non, ce n'est pas difficile, en fait, parce que la colère, ce n'est pas une chose imposante, une masse. Il ne s'agit pas ici comme de déménager, de trouver une nouvelle maison, un nouvel appartement. C'est simplement, dans l'instant,
percevoir la dimension vacuité. C'est-à-dire que ça n'a pas d'existence inhérente. Et si, si au moment où on voit la vacuité de la colère, on en est libéré dans l'instant et sans aucune difficulté. Je comprends. Oui. Ta tendra bogi hakone, ngaron song non shiva cheala, ngaron song gen kuduna, ngaron song la ronzo togresere. Et en cela, c'est pour ça qu'il a parlé au départ de cette responsabilité qu'on a hein, vis-à-vis de soi, parce que finalement, c'est un choix, une responsabilité, un chemin qu'on fait en soi ou qu'on ne fait pas, se relie à cette dimension profonde et intérieure, avoir une expérience directe de ce que l'on est au plus profond de soi. C'est, à un moment donné, c'est sa responsabilité. Est-ce qu'on va faire cet effort ? Est-ce qu'on va cheminer vers cela ou pas ? Mais on peut tous le faire, mais voilà, c'est notre responsabilité de le faire ou pas. Donc le chemin du dharma, on peut aussi le diviser en trois grandes parties dans notre manière de l'aborder, même si c'est pas aussi séparé dans la réalité, parce que tout est toujours entremêlé. Mais on va dire qu'il y a trois étapes. Il y a l'écoute, la réflexion et la méditation. Quand on parle de l'écoute, finalement, c'est plus que juste écouter quelque chose, c'est développer des connaissances, étudier la philosophie, tous les raisonnements philosophiques, etc. Et sur la base de cette connaissance-là, pas juste rester à une connaissance, un amas de connaissances, mais réfléchir par soi-même, discerner et arriver à une vue de ce fait-là. On arrive à une compréhension profonde, c'est-à-dire à une vue des choses telles qu'elles sont. Et puis, de là vient la méditation. Et le mot méditation en tibétain, en fait, il signifie s'habituer, cultiver. Donc, en fait, méditer, c'est quoi ? C'est amener cette vue à prendre place vraiment profondément en nous, c'est-à-dire au niveau de ce cœur ou de ce qu'on est vraiment profondément. Oh, yeah. Et ce que l'on dit dans la philosophie bouddhique également, c'est que on est tous différents grossièrement. C'est-à-dire qu'à la surface, voilà, on a notre personnalité, notre degré de connaissance, etc. Ou même des formes physiques différentes. Certains ont des formes humaines, d'autres animales. Mais que, ultimement, c'est-à-dire au niveau le plus subtil, un continuum de conscience, un esprit, est doté des mêmes caractéristiques, c'est-à-dire et ça va au-delà des êtres humains, c'est-à-dire que tous les êtres sensibles, tous les êtres vivants, dotés d'un continuum de conscience, d'un esprit, ultimement, dans ses caractéristiques, on ne veut pas dire qu'il s'exprime là tout de suite de la même manière, mais dans son potentiel, dans ses caractéristiques, les qualités sont identiques. Et c'est ce qui peut expliquer la valeur et le fait que, d'une certaine manière, la seule issue, c'est la compassion, la bienveillance, la bonté, l'amour. Parce qu'on est tous pareils. Nous sommes tous des êtres sensibles, vivants. Et profondément, ce qu'on souhaite, c'est être heureux. Et on ne veut pas souffrir. Et finalement,
manifester des afflictions mentales ou se faire souffrir les uns les autres, c'est contre nature complètement. Donc ça ne peut que mener à encore plus de souffrance, etc., etc. Et la seule chose qui soit valable, qui soit noble et qui soit vraiment en lien avec l'essence du vivant, c'est ces valeurs donc de compassion, d'amour, de bienveillance. Et d'ailleurs, ce sont des valeurs qu'on retrouve dans tous les chemins spirituels, toutes les religions mettent en avant ces qualités, ces valeurs-là. Donc, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'évident, de clair à ce niveau-là. Et c'est ce qui est dommage en fait à l'heure actuelle, c'est d'associer ces idées ou ces mots quand on entend compassion, bienveillance, amour bienveillant, enfin tout de suite c'est connoté religion, spiritualité. Et pour certains qui n'ont pas forcément encore cette ouverture ou ce cheminement intérieur, c'est dommage parce qu'en fait, ils se coupent à quelque chose qui est essentiel finalement. C'est-à-dire, on ne devrait pas voir ces mots-là, les relier forcément à la spiritualité, à la religion, mais on devrait les comprendre comme étant la clé, du bonheur. En fait, il n'y a pas d'autre solution pour être heureux et pour... d'être dans cet état de bienveillance, de compassion. Mmh. Ça va maintenant? Oui, fini. Juste maintenant. Hein? Merci. Merci. Du coup, je ne sais pas si on a le temps de faire des questions ou quoi. Sinon, c'est pas grave, hein, s'il n'y a pas. Merci. Est-ce que vous pourriez? J'ai pas compris. Cours. Non. Voilà. Pourriez. Court. Pas forcément court, mais aller droit au but. Ouais. Voilà. Pourriez-vous, s'il vous plaît, réexpliquer pourquoi les états de colère, les états négatifs n'ont pas d'existence par eux-mêmes, s'il vous plaît. Oui. Donc, ma deuxième question, c'est par rapport au sens. Les sens, les différents sens. Alors, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas s'accrocher à ces états négatifs. Mais pour ne pas s'accrocher, il faut déjà en prendre conscience. Et donc, on en prend conscience avec les sens, nos cinq sens. Donc, je n'ai pas bien compris, là, du coup, comment on passe à cette conscience, à ce continuum de conscience, sans utiliser nos sens. Ok, alors, préparez-vous deux. Donc, il y a trois choses. Il y a notre continuum de conscience, notre esprit, qui peut appréhender, faire expérience. Il y a les objets de connaissance extérieure. Donc toute la manifestation extérieure, et puis les vecteurs, donc les différentes facultés sensorielles qui peuvent nous permettre, par exemple, la faculté visuelle, elle va rentrer en lien avec un objet de connaissance visuelle, etc. etc. Donc il y a ici, dans l'exemple, en lien avec les sens, le continuum de conscience et les objets de connaissance extérieure, il y a trois choses qui rentrent en relation.
OK. Tendi yinza ngaron songgi migo ombo go zu den tongge yareba. Donc, votre faculté visuelle peut percevoir un objet de connaissance visuelle, mais ne va pas pouvoir percevoir un objet de connaissance auditive. Vous comprenez ? Donc, ce qu'il expliquait tout à l'heure, c'est qu'au-delà de pouvoir rentrer en lien, c'est-à-dire qu'effectivement, l'organe visuel vous permet de pouvoir établir ce lien avec un objet visuel, pareil pour chacune chacun des sens, etc. Mais au final, qu'est-ce qui en vous vous amène à apprécier, à dire oh, c'est joli cette table ou c'est agréable cette musique ? Ce n'est pas votre organe visuel ou auditif, c'est votre continuum de conscience qui appréhende, qui fait l'expérience au final, au travers de ce vecteur. Exemple, charangi meti ropa ji gugindu na charang se chowa hyu chenbo ena dig chowa tele tene mi dig yapo tongre charang mi shiro maga chipo de ya ganke ji ena umbo dig mi khasen tona yapo tongme do la. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que votre continuum de conscience, votre esprit et ses états peuvent influencer votre perception. Par exemple, si vous aimez quelqu'un absolument, et que c'est le début, hein, tout ce que cette personne va faire, et puis ce que vous vivez, l'endroit où vous êtes avec elle, tout est merveilleux, tout est magnifique. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire si vous détestez les personnes avec qui vous êtes là dans l'instant, vous n'allez pas du tout apprécier sûrement l'environnement, même si c'est un environnement magnifique ou autre. Donc, à l'inverse, votre continuum de conscience, il va déterminer le degré d'appréciation en fait, de l'expérience. Oui, c'est pareil, c'est trop mal, c'est pareil. Mandava, chialé, chialé. Donc après, il a donné des exemples, mais ça fonctionne pareil avec tous les sens. Comprends ? Donc c'est là où on se relie avec ces dimensions plus intérieures, sans que ça passe. Enfin, ça peut passer par les sens parce que c'est une lecture en lien avec une expérience sensorielle, mais pas forcément. C'est-à-dire que ce qui est important dans cette introspection, c'est de voir en fait en vous, ben, par exemple, si on s'en tient qu'aux expériences sensorielles, ben, pour résumer, on va dire ça peut susciter en vous de la saisie ou de l'attraction, du rejet, de l'aversion ou neutre, c'est-à-dire ça vous fait ni chaud ni froid. Et déjà, c'est de savoir reconnaître en vous. Est-ce que dans cette expérience, il y a une forme d'attachement, de saisie, d'attirance, de rejet ou c'est neutre ? Voilà. Ta ten drabo qui pasu que yete, ngaron song sen no la zuni je. La dimension vacuité ou le fait que tous ces états intérieurs n'ont pas d'existence intrinsèque. Donc, il faut bien comprendre la nuance. Il ne veut pas dire que ça n'existe pas, comme si ça apparaît. On en fait expérience, mais ça n'a pas d'existence en tant que tel. Et c'est pour ça qu'on peut s'en libérer. Et quand, par exemple, toujours avec des exemples très simples, donc quelqu'un va susciter en vous du rejet. Vous voyez cette personne, elle vous énerve, vous la trouvez tout ce qui est de pire, etc. Il y a comme tout un tas d'images mentales en fait, qui se succèdent en vous, où vous dites elle n'est pas ci, elle n'est pas là, je ne l'aime pas. Et finalement, ce n'est pas la personne qui vient se greffer à votre cerveau et qui tourne comme ça. C'est des images mentales, on est d'accord. Et ça peut être pareil pour. Sur un autre plan, par exemple, quelque chose qui vous attire, mais à outre mesure, dont vous pouvez vous passer. C'est des images mentales
Et parce que c'est des images mentales, elles ne sont pas substantielles, elles ne sont pas engluées dans la matière, elles ne sont pas figées, elles ne sont pas permanentes. Et en ce sens-là, elles n'ont pas d'existence propre, c'est juste une expérience. Vous comprenez ou pas ? Bien sûr, on peut dire que c'est de même nature, sauf que là, c'est censé. Ça génère ses sources de bonheur. Et ce qui compte, c'est d'être heureux et de rendre les autres heureux. D'accord, donc de faire durer ce qui est positif et d'éliminer, enfin de faire, de ne pas s'accrocher à tout ce qui est négatif. Oui, comme on peut le dire comme ça. Donc, positif, négatif, c'est pour ça qu'en soi, après, on peut arriver à dire qu'en tant que tel, il n'y a pas de bon ou de mauvais, parce que tout est vacuité par nature, que ce soit vertueux, positif ou non vertueux, négatif, c'est de même nature, mais ça ne génère pas les mêmes effets à un niveau relatif. Pour nous, c'est important de s'imprégner de la dimension, des dimensions vertueuses. Pourquoi ? Parce que, comme il explique au départ, notre état, en règle générale, il va plus vers un état d'insatisfaction que de bonheur ou de félicité authentique. Et donc, ça souligne la nécessité peut-être d'éliminer certains états qui sont source d'insatisfaction pour s'imprégner d'états plus nobles. C'est pareil, c'est exemple, Et si vous observez les animaux, ils fonctionnent, c'est pareil. C'est-à-dire, qu'est-ce qui les rend heureux Si on observe même des animaux entre eux ou quoi, c'est cette dimension de bienveillance, d'amour. C'est ça qui les rend heureux. C'est naturel. Naturellement, ce qui nous rend heureux, c'est la compassion, l'amour. Très ego, dedans ego. Plus on est centré sur soi et son ego, plus il y aura des afflictions mentales telles que la colère, etc. Et plus on va souffrir, plus on considère les autrui, plus on va être heureux. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Lama Tréor. Merci beaucoup, Madame Lola Collet, sans quoi rien n'aurait été possible. Bravo pour vos traductions, parce qu'on avait bien besoin de votre aide. Merci beaucoup. Et donc, maintenant, on se retrouve à 18h30 pour accueillir le Cheikh Bentounes. Donc, s'il vous plaît, soyez à 18h30, ça vous fait une demi-heure.